Attendez, on va aller voir Madame Bernard avec Bernard Axel. On va aller voir Madame Bernard pour lui demander si elle veut venir expliquer la situation, parce qu'en effet, on a appris que le conseil de surveillance a été annulé et on voudrait savoir pourquoi. Donc il y a ça, et puis par rapport à toutes les questions que l'on se pose, que ce soit par rapport à l'hôpital de Moutier ou que ce soit par rapport aux EHPAD. Donc on vous laisse un instant avec Bernard, et puis on va, pendant ce temps, peut-être tu peux expliquer votre démarche, et on va lui demander donc si elle veut venir nous voir ici. Donc au niveau du collectif de l'hôpital de Moutier, on a, bien sûr, vous savez quel est le combat qu'on mène depuis quelques années, là. Et récemment, on a rencontré les élus de Moutier, enfin, c'est Vincent Roland pour ne pas le citer, et puis Pankouk, pour faire le point de la situation avec eux. Vous savez qu'au moment où le Premier ministre est venu dans la région, là, on a déposé le dossier qu'on défend depuis le début auprès du Premier, enfin, pour que ça nous parvienne. Pardon. Pour que ça lui parvienne, et bien sûr, on n'a pas de retour nulle part. Hein. Quand on a rencontré les élus, ils nous ont dit ben, si, si, mais les choses bougent. Et quand on leur a demandé, je raccourcis, hein, quand on leur a demandé, mais dites-nous un peu, donnez-nous quelques indications sur les changements en cours. Madame Bernard, elle est d'accord pour recevoir une délégation de 6 personnes. Donc je propose qu'il y ait 3 retraités CGT et 3 représentants de l'hôpital de Moutier, du collectif. Et puis l'espace d'un temps de 20 minutes. Et ensuite, ben, on pourra venir vous donner le résultat des échanges. On lui a dit qu'on avait beaucoup de questions à lui poser, concernant surtout l'avenir et de l'hôpital de Moutier et de l'hôpital d'Aberville, ainsi que des EHPAD. Quant à leur construction. Donc voilà, alors si vous pouvez... Quelques éléments importants du dossier. Lorsque l'ARS a imposé son plan, parce qu'on n'est pas dans la démocratie sanitaire, on est dans le totalitarisme sanitaire, ce que j'appelle le totalitarisme sanitaire. Donc ce plan de l'ARS, annoncé ici même le 5 novembre 2014 et confirmé par une lettre à tous les maires de la circonscription en mars 2015, prévoyait un plan en plusieurs phases. La première phase, c'était construire un agrandissement des urgences et du plateau technique, du plateau chirurgical sur Albertville, pour permettre de transférer les services de Moutier sur Albertville, les services d'urgence et de chirurgie. Ça, c'était prévu que ça devait être exécuté pour décembre 2015. Là-dessus, on peut dire que l'objectif a été atteint, puisqu'effectivement, les urgences de Moutier ont fermé le 15 octobre 2015. Et les ordres de construction, maintenant, ils disent impérativement chambre individuelle, quitte à ce qu'il y ait des chambres doubles avec des cloisons pour les gens qui voudraient vivre avec quelqu'un ou la famille. Deuxième chose,
à Clube-Léger, il y a 6 douches pour 120 personnes, 2 par étage. Alors ça veut dire qu'on fait un tour de rôle, et c'est une fois tous les 15 jours. La douche dans une salle qui est des fois qui est pas bien, qui est froide. On vous étale sur une table et puis on fait la douche. Et ça, c'est une fois tous les 15 jours. Si vous êtes malade ce jour-là, ça saute. Voilà. Donc c'est quelque chose d'impensable à l'heure actuelle. Vous avez une climatisation qui est très difficile, qui est même en plein soleil en été. C'est intenable. Je confirme totalement ce que le camarade a dit tout à l'heure. Il a très bien vu. Lui, tous les étages, moi je connais, je ne connais que le troisième étage parfaitement bien. Je voudrais simplement résumer. Les conditions matérielles deviennent invivables. Les couloirs sont encombrés, il n'y a pas moyen de passer avec un... à peine, si on peut passer un chariot aussi, parce qu'il y a tout un tas de choses dans les couloirs. Le linge, les changes, je ne sais pas. Les salles de douche, tu as parlé des salles de douche, elles sont très peu nombreuses, mais il faut pouvoir y aller, parce qu'elles sont pleines de matériel, parce qu'il n'y a pas la place pour mettre le matériel. Une animatrice qui d'ailleurs va partir en congé sabbatique. Bon, ben, je pense qu'elle en avait un peu marre parce que voilà, il y avait quand même plus d'un an et demi que normalement sur les deux EHPAD il y avait donc une animatrice et demie, et depuis pratiquement un an et demi elle est toute seule puisque l'autre était partie en maladie. Donc à partir de hier on en a une nouvelle. Qui s'appelle Léa, je les connais bien. Au niveau de l'animation, on peut dire qu'à Claude Léger, ben, ils sont bien pourvus à ce niveau-là. Il y a des animations souvent. Il y a aussi ce qu'on appelle l'association du quatrième âge, dont certains d'entre nous ici en font partie. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des animations, de récolter des fonds pour essayer d'apporter du bien-être aux résidents. C'est-à-dire qu'on a fait un loto. Des exemples dans certaines communes, où la maison de retraite, l'école, maternelle, primaire, ils ont une cantine en commun, et ça permet aux anciens d'avoir des liens sociaux avec la jeunesse. Mais ça, c'est toujours une volonté, c'est des volontés politiques. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, nos élus ne sont pas couillus. Ils bradent des biens publics ou privés. On voit ça, par exemple, avec un camping à Notre-Dame-du-Pré. Donc, c'est au niveau local, parce qu'on s'aperçoit que les gros trucs, une petite opération au CHU de Grenoble, entre ma douche le matin et l'opération, la douche est à 9h et je suis passé au bloc à 5h. Pourquoi? Parce que c'était le bordel, il y avait des trucs fermés et tout. On s'aperçoit que les gros trucs, il peut y avoir des failles, il peut y avoir des problèmes, que si on dilue tout ça sur des petits établissements, chose qu'on ne fait pas, parce qu'on fait un outil, ici, je ne sais pas ce que ça va donner. Par exemple, Bernard envisage beaucoup plus les gens sous la forme, quand ils sont fatigués, mais ils ont encore toute leur tête et ils sont encore en mesure de se déplacer, éventuellement de se nourrir, etc. La plupart du temps, c'est pas ça qu'on voit. La plupart du temps, même des gens qui ne sont pas Alzheimer, on parle toujours d'Alzheimer, mais il y a beaucoup de gens qui sont prostrés pendant des journées entières et puis qui arrivent juste à manger ou qu'il faut faire manger, etc. Mais qui sont toujours conscients et qui parfois vous parlent et vous... c'est bouleversant ce qu'on entend. Et puis ce qu'on sent, c'est la demande aussi. Parce que c'est bien beau de toujours demander des crédits, de demander une politique qui, machin, et trucs, mais les familles... Ça va te coûter 400 euros. Eh bien, moi, je n'ai pas les moyens de faire une formation payante. Donc voilà, c'est ce qu'on a répondu.
C'est quelqu'un qui visite des gens au Cordelier, à l'hôpital de Moutier, au long séjour, qui m'a dit oui, mais il faut faire une formation avant, et c'est payant. Voilà, alors les bénévoles, moi je suis bénévole dans d'autres choses, à la Croix-Rouge et autres. Mon papa, c'est moi qui dû prendre la décision, en région parisienne, qui a fait le faire tout ça, genre. Au Val-de-Grâce, où là, ils ont été formidables, j'ai limité à fond mes lois. Ici, je voulais justement aller parler avec des gens qui sont seuls, puisque moi, me sens concernée par ça. De l'hôpital de Chambéry était directeur en titre et il avait un directeur adjoint qui était à Belay. Donc on va être un peu dans la même configuration, vraisemblablement. Ce qui voudrait dire que le statut de Mme Bernard, enfin, on n'a pas été dans ces détails-là, mais probablement que son statut ne sera plus directrice, ce sera directrice adjointe, probablement. Donc enfin bon. Alors, il y aura le projet médical qui sera également soumis au conseil de surveillance. Paraît-il qu'il est enfin d'élaboration. Donc on l'a rappelé qu'on avait demandé à nous, le collectif pour l'hôpital de Moutier, on avait demandé au président de la CME d'avoir un entretien avec lui pour pouvoir participer à l'élaboration du projet médical. Mais en ce qui nous concerne, nous n'avions jamais eu de suite à cette requête. Alors concernant notre présence en tant qu'usager, puisque ça fait des années et des années qu'on réclame, et donc elle nous a reprécisé comment sont nommés les représentants des usagers au conseil de surveillance. Alors elle dit que le maire d'Albertville ou elle n'ont aucun pouvoir là-dessus. Bon, là, je n'y crois pas. Le document, enfin les textes disent que c'est le préfet qui nomme les représentants des usagers, mais en réalité, paraît-il que c'est l'ARS qui fait les propositions. Autrement dit, je l'ai quand même répondu, mais l'ARS ne fait pas des propositions comme ça, depuis Lyon, sans en référer aux gens du...